Salut tout le monde, c'est Siphano, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de Fallen Kingdoms en compagnie de Husky et de Léo. Ils attaquent, file-moi les TNT, je vais les mettre en sécurité. File-moi les deux que t'as récupérés. Est-ce que t'as les... Non mais tu vas les mettre en sécurité où ça? Bah dans mon four. Oh putain! Oh l'arc power comme il calme! Eh hey, le mec il a un arc en knockback, tu veux pas faire le mariole hein. Bon les TNT je les ai, je sais pas où les foutre hein, du coup. J'arrive pas à les... Surveillez-les. Hé hey, d'où il tape? Aïe! Bah de là c'est... Mais c'est ouvert par là! T'as un angle, putain la vache, ça fait mal hein. S'ils arrivent... Ils sont en train de passer par là-bas. Ils sont en train de passer. Ils sont en train de passer les mecs, par côté montagne. Ils sont en train de passer. Ils sont planqués en fait si vous voulez. Prends des flèches toi? Ouais je me prends des flèches là. T'affaiblis je pense. C'est leur plan. On fait quoi? Bah de toute façon il faut qu'ils rentrent, de toute façon nous on joue la défense donc C'est un problème, je récupère les cannes sûr. Non, récupère pas les cannes. Y'a Playfan en haut. Ils sont tous les trois, ils vont me sauter dessus. Sif, viens Husky, t'es où? Ah merde c'est toi, pardon Husky. Ah putain mais ils sont tous ça, ils vont récupérer les TNT les mecs, c'est pas bon signe ça, s'ils récupèrent les TNT. Attends, il y a Frigiel qui est invincible. J'ai eu Zézé. Et... Oh, il est invincible. Non, putain, j'ai foiré mon coup de... Playfan. Putain, je me fail. Bien joué. Voilà, les TNT sont en sécurité. Ouais, sauf qu'il m'a eu... Frigiel. Mais je sais pas comment il fait pour être aussi balèze. Il est où? Il est là. Attends, on va... Il est en bas, il est parti avec tout mon stuff. Et t'avais quoi? J'avais du full stuff avec une épée. Non, on enchante de toute façon. Ouais. Il est seul ou pas? Ouais, il est seul, ouais. Faudrait que vous veniez. Allez, j'y vais. Ouais, il se barre, il a peur de moi, alors que j'ai rien. Non, il a peur de moi surtout. Oui. Les autres, ils sont morts? Les fans bug. C'est pas notre problème, ça. Il est là, hein. On ouais, fait quoi? Je sais. Bah là, je lui saute dessus. Ah putain, ça sert à rien de lui sauter dessus là. J'ai plus les TNT sur moi, je les ai mis en sécurité. C'est bon, il se barre. Moi je dis on contre-assaut maintenant. Hein. Attends, play fun bug de toute façon là. S'il arrive pas à ce recours, on fera une ellipse. Ouais, bah ouais, mais ouais, c'est vrai que c'est dégueulasse. On peut pas contre-assaut tout de suite. Ah bah ouais, attends. Ouais, j'ai perdu encore un full stuff. Je suis trop con. Je suis vraiment nul en PVP. Retourne dans la salle des coffres chercher. Attends, il est là. Ah, il arrive alors je me barre. Retournez à la base. Tous. Mais si, il y a plein de trucs, puisque j'ai mis plein de trucs moi dans le coffre, dans le deuxième coffre. Ah! Non, mais j'avais tout pris! Y'a Zelvac qui arrive! Il est où? Il arrive! Il ah est sur notre mur! Ah, il est tombé! Dans la salle des coffres? Oui, je crois. Attends, non. Il est tombé où? Bah, dans la salle des coffres, non? S'il est tombé dans une trappe. La seule trappe de ce côté où il a pu tomber, c'est la salle des coffres. Oh le fail! Il a pu refermer! Directement. Ouais, il a pas pu refermer, donc ça, si elle est fermée, ça veut dire qu'il est pas rentré. Et il est où alors? Mais j'en sais rien, moi! Peut-être qu'il a pris une potion d'invisibilité? Tu penses? C'est pour rien. Léo, tiens, je sais que c'est pas grand chose, mais c'est le minimum que j'ai pour toi. Je ris. C'est gentil. Tiens. Playfan join the game. Faites gaffe que Playfan n'était pas dans notre base, hein. On sait jamais. Il va falloir qu'on trace un moment, mais disons que le truc c'est que tant que l'un de nous est pas stuff complètement et tout, on peut pas contre assaut. Comment ça, l'un de nous est pas stuff complètement? Bah là t'es pas stuff, on peut pas contre assaut là maintenant. Bah. T'es pas paré là pour un assaut toi. Tu veux dire avec de l'enchant? Mais non, mais même pas, t'es pas stuff point barre. Bah là j'ai une épée en diams. Ah bon, ouais bah. Une épée en diams et il manque juste un casque hein, et c'est fini, après je suis stuff. Moi je dis, de toute façon si on attaque pas, on va jamais gagner hein. Pour gagner faut attaquer. Je sais bien, mais non, mais d'accord, mais. Ils sont où là? Parce que ils sont en retrait. Tu penses? Bah ouais, alors... il était avec nous. Eh ouais, Zelvac il était pas loin. De toute façon, même si on leur laisse notre base. Y'a quelqu'un. Même si on leur laisse notre base de dispo. Oh, les gars, y'a quelqu'un. Où ça? Ah non, c'est pas toi, Husky, là, qui est en bas? Si, c'est moi qui arrive. Ah merde, d'accord. Mais ils temporisent, ils vont, je sais pas, ils vont faire quelque chose. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont. Bah disons qu'on leur a quand même piqué pas mal de stuff dans l'histoire. Attention, pas de bêtises. Fais gaffe de pas de bêtises. Ouais, ok. Le problème c'est que je me sens pas de laisser la base alors qu'il y a toute l'eau là qui leur permet de grimper quoi. On bloque? Bah il faut enlever l'eau. Est-ce que vous avez les blocs? Enfin lol. Non, pas lol, pas lol, il est là ça veut dire. Hein? Ma foi, try to swim in lava, tu veux qu'il soit mort où?
Mais où est-ce qu'il aura... y a pas de... Bah je sais pas, il doit être invisible, il y a peut-être une potion d'invisibilité. Ouais mais du coup il l'a plus. Bah du coup il l'a plus, mais du coup ça veut dire qu'il a testé un truc. Déjà regardez si toutes les trappes sont fermées. Sans passer par-dessus. C'est tout fermé, donc c'est-à-dire qu'il a pas pu rentrer. Parce que aucun homme sur Terre ne pense à refermer la trappe quand il, en... quand il envahit une maison, enfin... De toute façon, s'il travaille tout film lava, c'est... Enfin, voilà, il apparaît... Est-ce que vous avez un endroit où il y a beaucoup de blocs? Parce qu'on peut l'enlever, cette eau, ça prend 2 secondes, hein. Un endroit où il y a beaucoup de blocs, comment ça? Bah, pour on pose des blocs par-dessus tous les trucs d'eau et c'est terminé, il y a plus d'eau. Mais on peut pas poser... Bah vas-y, essaye, tu vas voir. Ça marche pas. Tu casses ça. Ah oui, si tu casses ça, ouais, mais ouais, ça va être super long. Et tu poses 2 blocs. Bah alors, il faut des haches. Il faut des haches. Moi, franchement, je serais tellement plus pour un assaut maintenant. Mais ouais, mais si jamais ils... Et bon, bah alors, ils ont pris des risques la dernière fois quand ils nous ont attaqué, on aurait pu très bien... Ça va, alors ça va. Alors va chercher les torches en redstone, je vais chercher les TNT. Qui a les torches en redstone? Je les avais sorties, hein. Elles sont plus dans, dans le coffre. Bah faut en faire. Bah j'ai tout pris, j'avais tout... Quoi? Bah oui! Oui, je sais! On doit avoir de quoi se faire un briquet alors. Ok. Pas le choix. On a le droit? Mais bien sûr qu'on a le droit. Au briquet, t'es sûr? Bah oui, on a le droit, bien sûr, pour activer les TNT. Ferme derrière moi, hein. Ouais, bah attends. Mais toi en sneak, hein, toujours, hein, quand t'es là, en sneak. Ouais, mais t'as le problème, c'est que quand j'ouvre les coffres. Tu dis ouais, non, mais d'accord, d'accord, mais les coffres, c'est infini. Ah non, il en reste un petit peu de la redstone. Non, bah vas-y, prends-en. Je vais te faire des torches plutôt. Mais dépêche-toi, le but c'est que tu le fasses le plus rapidement possible. Hein. Par contre, pour les assauts, moi... ils reviennent, mets-toi en sneak. Frigiel qui arrive. Et Frigiel qui arrive, mets-toi en sneak. Je fais des torches? Oui, vas-y, fais-en et remonte. Le truc c'est que moi je veux bien les assauts mais le problème c'est... Oui mais on les assaut comment? Parce que leur base elle est encore plus optique que la nôtre, hein. Bah on y va. Y'a Playfun dans l'eau, ils reviennent nous assaut, ils sont encore stuff. Donc je vais reposer les TNT. Je reste dans la salle des coffres, hein, je les attends. T'es fou. Bah tu veux que je fasse quoi? Surtout pas. Bah ok, mais je suis d'accord, surtout pas, mais je fais quoi? Bah à ton avis. Non bah j'en ressors du coup. Mais Léo, oui. Bah oui, je suis d'accord, mais là c'est le bordel, si tu veux. Bah le bordel, c'est juste que, c'est ce que je te dis, on peut pas se permettre là d'aller les assauts maintenant alors qu'ils viennent tout le temps. Au bout d'un moment, ils vont manquer de stuff. Mais à chaque fois, ils repartent avec un peu d'une autre. Hein. Aussi, mais de toute façon, ils sont là-bas, je les vois. Bon bah je reviens, du coup. De toute façon, à chaque fois, ils me tombent dessus, ça. Ah, Playfun, il a vu que je l'avais vu, c'est pas grave. Enfin, il était tellement surstuffé, Frigiel, ça m'énervait. Je l'ai touché? Je l'ai pas touché. Toi, t'as toujours ton arc, du coup. J'ai toujours mon arc super puissant. Bah attends, s'il se rebarre, au moins sors les torches en redstone de la... J'en ai sauvegardé 10 dans les coffres et j'en ai pris 9 pour moi. Ok, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va les planquer dans le four avec les TNT, comme ça on peut les prendre en cas d'urgence. Donc dès que tu ressors, tu me les donnes, et je vais les planquer, et comme ça, on va voir, soit on les assaut un coup. T'es où, là? Là, j'ai fait une... je suis en train de me rendre compte qu'il y a une bêtise qui a été faite. Elle ressort de la salle, hein. Ouais, c'est inondé, sauf. Bah, je sais bien. Bah, tu peux pas me le désinonder, parce que je peux pas remonter, en fait. Comment ça, te le désinonder? Pourtant, tout est bouché, je peux pas... Là si j'ouvre, ça va encore plus te... t'inonder. Ah non, je vois, attends. Là, normalement, ça devrait être bon, maintenant. Ça va se couper, à mon avis. Ils sont là? Je sais pas. Je vois vos deux pseudos, je vois personne d'autre. Bah, je vois Husky qui tire en fait. Non, c'est pour récupérer la flèche, c'est bon. C'est bon, Léo, l'eau, elle est partie? Non, bah je remonte petit à petit, mais elle est pas partie, mais c'est pas trop dérangeant encore. J'ai pas le choix, désolé. Non, c'est pas. Ah, c'est bon. Ouais, l'eau, elle part. Attends. Ah non, elle venait pas de là, le problème d'eau, elle venait. Ah putain, ouais, j'ai pas mis le bon truc. Tiens, je t'ouvre si tu veux. Ouais. Là, y'a un accès. C'est bon, je monte. Je te vois. Et donc, file-moi les... Les torches? Ouais, file-moi les torches, je vais les mettre en sécurité dans le même truc que la TNT. Et on va voir. Ça va bientôt être la fin, hein. Bah là, aujourd'hui ou demain, ouais, je pense. Enfin, après, faut qu'on réussisse notre assaut à nous aussi, hein. On en a pas fait encore. Oui, ça fait une heure et demie, enfin, ça fait déjà une heure qu'ils nous assautent. Ce serait bien qu'on... Je sais bien. Combien de personnes il faut dans la salle des coffres pour que l'axo soit qu'on soit compté valide? Il faut que toute l'équipe soit dans la salle des coffres. D'accord, donc ça c'est à partir de là, parce que je me suis dit, ok, on fonce, on prend 3 trappes, on fonce toutes les 3 dans une trappe. Attends, je vais l'arrêter bien. Et on joue là une chance sur 2, mais c'est pas une bonne idée. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas de... Oui. Donc c'est bon.
Ouais, donc c'est bien ça. On est d'accord sur ce point, y'a pas de problème. Gâchez pas vos flèches, les gars. Non, je récupère. Effectivement, ils viennent pas. Toi, t'es pas stuff, malheureusement. Ils ont plus de TNT, donc ils se disent que. Ouais, mais toi, t'es pas stuff, Léo, c'est le problème. Je suis pas stuff. T'as pas de casque. Ouh, attention, change tout. Et moi, j'ai un casque en diam, ce qui m'aide pas mal. C'est vrai. Bon, tu veux qu'on aille assaut? De toute façon, on a pas d'autre solution. Non, il les récupère. Tu veux qu'on aille assaut? Assaut quoi? Oui, pardon, qu'est-ce que je raconte? Je suis très fatigué là. Ouais, moi je veux bien, mais pas tout de suite, de toute façon on attend le prochain épisode. Ou alors on y va maintenant. Ah bah de toute façon, mais le problème, moi je veux bien les assauts, mais dis-moi comment on les assaut. Parce que je veux bien les assauts, mais comment leur muraille est infranchissable? On met une TNT qui se cale sur leur muraille. Tu es d'accord? Ouais. Ensuite on fout une autre TNT en dessous, qu'on allume. Non mais, Léo, l'eau, ça annule les explosions de TNT. C'est pour ça que mon lit a survécu depuis tout à l'heure. Parce que les TNT qu'ils ont fait péter par là, l'eau a sauvé l'explosion. Alors, c'est comme le creeper. Escalier en TNT. On a dit avant la saison qu'on le faisait pas. Bon bah, dans ce cas, j'ai aucune idée. Et voilà, c'est le problème. Donc c'est pour ça que moi je veux bien les assauts, mais il faut... Ouais, mais escalier en TNT, c'est bon, hein, normalement. Bah... Bon, on a dit qu'on le faisait pas, c'est clair. On a dit qu'on l'interdisait, donc... Alors, donc, tu dis que l'eau, machin... C'est pour ça que le seul truc qu'on pourrait tenter, ce serait un assaut par les grottes. Mais en fait... Comment on peut prendre leur base en fait du coup si par les grottes. Non, je veux dire la muraille. Telle façon. Bah, leur muraille, elle est à mon sens infranchissable. Ouais, bah ouais. A priori, donc, elle est infranchissable. L'idée, ce serait d'aller dans les grottes, par les grottes. Mais moi, j'ai une idée, hein, honnêtement. Dis-moi. Mais c'est compliqué et ça demande un sacrifice. Tu prends 3 TNT, tu les cales les 3 contre le mur, un peu en l'air. Ça va enlever l'eau. Ah ben non, parce que l'eau, elle va se recouvrir par-dessus. L'eau, elle va se... Hein? L'eau, on peut pas non plus, parce que l'eau est... Comment dire? Elle va avancer par-dessus. L'eau, elle est de leur couche du milieu, donc on pourra jamais la couper, l'eau. Mais si, elle se coupe l'eau de leur base. Il suffit de poser la TNT là où il y a l'eau. Là où il y a la base. Mais t'as écouté ce que je viens de te dire? La base, ouais. C'est à l'intérieur de leur muraille, on n'y a pas accès. Non mais... Est-ce que t'as vu comment était leur muraille? Je me souviens. J'ai bien vu. T'es d'accord que l'eau, elle part d'un espèce de petit creux, et ce creux, on peut très bien poser une TNT dedans. Et ça non, va couper non, la Non, parce que le creux qu'ils ont, si j'ai bien regardé, il est un cran au-dessus. Donc on pourrait pas y avoir accès, je pense. Enfin, on peut toujours essayer, mais... Alors, on y a accès en appuyant sur espace et en montant avec l'eau. De toute façon, faut qu'on essaye. Bon, allez, on va à leur base, on va bien voir une fois là. Ça suffit, les bêtises. De toute façon, en restant là, par contre, moi ce qui m'inquiète énormément, c'est juste de laisser la base comme ça, sans. Bon, c'est un risque, mais. C'est un risque, de toute façon, faut gagner. Bah, moi, c'est le coup de l'eau, moi, qui me dérange vraiment, quoi. Mais tu vas voir, regarde leur base. Non, mais je l'ai très clairement vu, leur base de là-haut et t'es tout, l'observer pendant un quart d'heure. Mais si on fout le TNT, là où il y a l'eau qui. Bah, non, je suis pas d'accord, parce que le problème, c'est que la base de l'euro, elle est plus haut que ce que tu penses, toi. Je sais où elle est, la base de l'euro, je la connais. Bah. Ils nous voient ou pas? Est-ce qu'ils tu suis? Oui. Ils sont dedans en tout cas. Regarde, Il y a Playfan qui est dehors, je vais essayer de le... Tu vois ou pas elle est la base de l'euro? Ouais, elle est au niveau de tout en haut de la table de craft en réalité. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ah oh ouais, elle est infranchissable en muraille, putain. Il y a Playfan dehors, je vais essayer de le buter. Je suis juste derrière lui. Il m'a pas vu. Voilà, hop, ça c'est fait. Bon, maintenant. Tiens, récupère... Si tu peux te mettre un casque, c'est pas plus mal. Ouais, c'est infaisable, on peut rien faire. Ou alors, attends. Une, deux, si, y'a un truc à faire. Dis-moi. C'est. Tu en poses une. Y'a Frigiel qui arrive, attention. Y'a Frigiel qui arrive. Attention. T'en poses une. Là, ensuite une en avant. Une par-dessus. Bah, attends, gâche trois, mais. Il y a de lui faire là, je prends. Je vais le faire tomber avec mon arc punch, je vais le faire tomber de sa base. Tu vas avoir atteint. Attends, laissez-le remonter. Ah, le problème c'est que. Il est malin, mais il peut. Il est en train de me tirer dessus, hein. Attends, mais on peut l'avoir par en dessous là, je crois. Il va me dégommer. Tu. Par là, on peut couper l'eau, effectivement. Tu vois? Ah, quoique, je sais pas si on peut couper l'eau. Non, mais on va pas la couper. T'en poses juste un à ce niveau là. Fais gaffe, Léo. Ouais, je sais. Je sais pas qui c'est qui s'amuse. Le problème c'est que ouais c'est... Je peux pas l'avoir, je suis trop... Et
Passe-moi les TNT. J'ai juste une idée, mais si elle marche pas, bah t'as son... BAM! Prends-toi ça. Ouais, mais alors attends, c'est très dangereux là ce qu'on fait parce que s'il saute et qu'il les récupère, non, là il est en mode. C'est fou là. Tiens, viens ici. Non, je mange un coup parce que là j'ai plus ma vie qui remonte plus. Ça peut être gênant ça. Tu m'en passes 3. J'en aurais besoin de 3. Ok. Avec des torches ou pas? Viens, je suis là. Bah oui, avec des torches, je pourrais si je veux pouvoir les activer. Je suis là, Léo, derrière toi. Non, mais là il va nous tirer dessus. 1, 2, 3. Il nous tire dessus. Bravo, Esky. Champion. Tiens. Donnez-les-vous, hein. Tu m'as tout donné? Oui. Donc vas-y, on l'occupe. Va ailleurs, comme ça va le perturber. Va de l'autre côté. Et les autres... Tu m'as donné une torche? Tiens, les torches sont là. Parfait. Les mecs. T'inquiète pas, Playfan et Déco. Ah. Ah oui, voilà, déjà, c'est ce que j'allais dire. Et en plus, j'ai peur que si on voit pas les autres, j'ai peur que Zelva qu'il aille à notre base. Bah oui, mais de toute façon, ils ont besoin d'être tous les trois, donc on le verra bien. Hein. Ouais, c'est vrai, de toute façon. T'es hein. au pire, à moins qu'il soit sûr de lui, peut-être qu'il va se foirer, on va le voir s'il crame. Regarde, moi ce que je pensais, bon, après le truc c'est que là je vais pas le faire parce que y a pas Playfan, c'est un peu dommage, ça pourrait un peu la saison quand même, les déconnexions intempestives de tout le monde. Mais c'est, vous y êtes pas, enfin personne n'y est pour rien, mais c'est juste que ça tue le jeu quoi. Donc oui, tu me dis, vas-y. Bah regarde, j'en pose une. Ici. Non mais les pose pas. Non mais j'ai compris, j'en pose une là où il y a l'eau qui tombe, une un cran devant et une par dessus. Et là tu fais tout péter. Et là je fais tout péter. Ah ouais, non tu peux pas. Il en manque une quatrième, exact. Il en faut une quatrième pour poser la torche. 4 TNT quoi. Bah ouais, mais de toute façon mec, elle est impétable. Mec, tiens, prends-la. Derrière toi. Ouais. Non mais attends, je suis pas sûr qu'on peut pas poser de... Merde. On ne peut pas poser de torche de redstone sur une TNT, il me semble. Je crois pas que ça marche. Vérifie. Vérifie. Allez, vas-y, il est là de toute façon, donc vérifie. Je le vérifie où? Je le vérifie ici. Vas-y, tente là, vas-y. Juste une petite... Tente ton truc, au pire on les récupère. Bah, au pire on les récupère, au meilleur on rentre. Mais non. Parce que ça... De quoi? Parce que si on fait péter la table... La paroi d'assaut. Mais il est revenu, Playfan. Ah ok, bon bah je tente alors, t'es où? Je suis là, vas-y, tente oui, ton truc. Je te vois. Attends, pas. Mais je suis deux là. Et il est où, Husky? Je suis là, je regarde en haut. Je vous vois. Ah ouais, d'accord. Okay, vas-y. Bah, c'est bon, vas-y. J'ai dégagé Frigiel, fais ton truc. Prends ton temps. Mets-en une à côté. Parce que là, si on pète ça, on arrive à rentrer avec l'eau. Mets ta TNT par-dessus. Fail. Non, c'est pas grave. Reprends-la. Attends, c'est bon, c'est rien. C'est rien. J'ai récupéré mes 3 TNT, c'est allé super vite. Il y a Frigiel qui revient. Je vais le dégager avec mon arc punch. Oh, regarde! Aïe. Du coup, il n'y a pas besoin d'en sacrifier. Non, parce que là, il y a l'eau. Mets-en une par-dessus, Léo. J'ai compris. Attends, si j'arrive à le faire tomber, c'est il est là. Où ça, là? Il est dedans. Ok, bon, il est dedans. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'arrive pas à poser le truc par-dessus la TNT! Mais sers-toi d'une TNT à toi pour monter! Ah oh, ouais, bien sûr, la base. Non, n'y ai-je pas pensé. Montagne plus arc égale cheaté. Bon bah... Poste ta torche. C'est l'heure de vérité, hein. On va voir si ça marche ou pas. Et récupère vite ta TNT. Vas-y. Récupère la TNT qu'il y a là. Ça sert à rien. Putain, mec, je t'aime, t'es un champion. Tous dedans. Voilà. Tu vois, c'est... Y a de la fonctionnalité utile. Vas-y, tous sur Frigiel, butez Frigiel. Tous sur Frigiel. Il m'a tué. Ah, c'est pas possible. Vous l'avez? Non, vite, Husky, viens m'aider, je pourrais pas tout seul. Viens m'aider, Husky. Je suis Zelvac. Vas-y. J'ai tué Zelvac. Yeah, GG, tu gères, Husky. Le truc, c'est que ils ont l'avantage du spawn. Quoi, stop? Ah putain, faut couper. Bon bah. OMG. Stéphane est invisible. Ah. OMG. Ah bah, on savait pas, on a vu Rocco. Et faut cut. Bon, on va s'arrêter là, ça devient intéressant. Oh, j'ai bien envie de faire péter ça, moi. Bref, ça devient intéressant. On espère que cet épisode de Fallen Kingdoms vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à passer voir leur vue. Franchement, Léo, GG. Ok, merci. Et on se retrouve donc très vite pour la suite. Bye tout le monde.